Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, bien-aimés dans le Christ. En ce dimanche, le 15 août 2021, nous célébrons aujourd'hui l'Assomption de la Vierge Marie. Pour Marie, l'Assomption est la suite de sa participation à la vie de Jésus. L'entrée au ciel et le couronnement de la Bienheureuse Vierge Marie est célébrée le 15 août. Elle commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Marie a été enlevée de la vie terrestre pour entrer dans la vie en Dieu. Bien-aimé dans le Christ, le 1er novembre 1950, l'Assomption de Marie est définie comme un dogme de foi par la Constitution apostolique Munificentissimus Deus du pape Pie XII. Je cite: par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, d'un bienheureux apôtre Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste. Fin de citation. Par la suite, la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II de 1964 a énoncé ce qui suit, je cite: « Enfin, la Vierge Immaculée préservée de toute tâche de la faute originelle, au terme de sa vie terrestre, fut élevée à la gloire du ciel. En son âme et en son corps, elle fut exaltée par le Seigneur, comme reine de l'univers, afin de ressembler plus parfaitement à son Fils, Seigneur des Seigneurs, et vainqueur du péché et de la mort. » Fin des citations. Bien-aimée dans le Christ, la femme qui enfante est couronnée des 12 étoiles, nous dit la première lecture d'aujourd'hui, l'Apocalypse de Saint Jean. Il s'agit donc du peuple de Dieu qui va enfanter le Messie. L'enfant mâle mis au monde est le Messie, fils de David, puisqu'il est le berger des nations et puisque son sceptre de fer est un symbole royal. Bien-aimé dans le Christ. Très tôt dans l'Église, la femme a été interprétée comme figure de la Vierge Marie. C'est en elle, en effet, que s'accomplit la naissance du Fils et elle est mère de l'Église. Bien, chers frères et sœurs, cette lecture mariale ne vient qu'en sens second, mais elle est bien en situation au jour de l'Assomption, puisque nous contemplons à Marie bénéficiant pleinement de la gloire de son Fils, notre propre avenir. Bien, chers frères et sœurs, le dragon qui veut dévorer l'enfant représente toutes les forces des morts, les esprits mauvais, les ténèbres qui s'opposent au Messie. Bien-aimé dans le Christ, aujourd'hui l'Église qui subit encore l'assaut des forces du mal, les persécutions, les divisions et bien d'autres réalités, mais se retrouve nourrie de la manne nouvelle, l'Eucharistie. Cette Église doit garder confiance, puisque la victoire est déjà acquise par Jésus-Christ, même si elle n'est pas encore complètement accomplie sur terre. Bien, chers frères et sœurs, le dragon qui est la force du mal, toutes ces divisions, toutes ces réalités, Marie, elle a reçu la bénédiction du Seigneur. Marie, elle est élevée au ciel. Le grand signe grandiose avec la femme et sa description nous est devenue familière grâce à un beau cantique fort apprécié et dont nous connaissons bien le refrain. Je cite: « Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil couronné d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. » Bien, chers frères et sœurs, le mot Apocalypse veut dire dévoilement, révélation.
Aussi, à travers cette vision apocalyptique, c'est en quelques lignes l'histoire du salut qui nous est révélée et rappelée. Bien, chers frères et sœurs, en pèlerinant dans ce monde, en voyant dans ce monde, rendons-nous bien compte que le Dieu de bonté, le Dieu des grâces, celui qui a comblé des grâces, Marie, nous accompagne nous aussi. Peu importe les divisions, peu importe les persécutions, peu importe des dragons de toutes sortes dans notre existence, dans notre vie, ayons confiance. Marie a eu confiance, puisque la victoire était déjà acquise par le sang de son Fils Jésus-Christ. Elle a eu confiance d'avance. Bien, chers frères et sœurs, elle a pu avoir cette faveur et elle est élevée justement par cette gloire de son Fils. Bien-aimé dans le Christ, ayons confiance que la gloire de Dieu nous accompagne et soyons cette gloire de Dieu auprès de nos frères et sœurs. Bien-aimé dans le Christ, Paul a consacré tous les chapitres 15 de sa lettre aux Corinthiens à la foi en la résurrection. Cet extrait a été choisi pour rappeler que si Marie, corps et âme, partage pleinement la gloire de son Fils, ce n'est pas par ses mérites, mais par la grâce de son Fils, le premier ressuscité d'entre les morts. Voilà. Ayons confiance que cette gloire de Christ nous enveloppe également. Cette gloire du Christ est avec nous. Ayons confiance et croyons au Christ ressuscité. Bien, chers frères et sœurs, le récit de la visitation dans la part de l'évangile d'aujourd'hui sert d'épilogue à la scène de l'Annonciation. Marie accomplit sans retard son premier devoir des disciples en allant partager avec Élisabeth la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, inaugure son rôle d'annonciateur public de la venue du Messie. Quant à Élisabeth, sa double bénédiction révèle Marie à la fois comme la mère du Messie et comme celle qui a cru en la parole du Seigneur. Elle anticipe ainsi la parole de Jésus en Luc chapitre 11, versets 27 à 28. Je cite, « Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire, « Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. » Fin de citation. Alors Jésus lui déclara, je cite, « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Fin de citation. Et Marie a écouté cette parole. Marie, toute sa vie, elle a mis cette parole en application. Marie, elle reste le grand modèle de cette parole. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui dans l'Évangile, la première chose que Marie déclare ou que Marie dit est « Mon âme exalte le Seigneur ». Luc chapitre 1, verset 46. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Le bonheur de Marie s'enracine dans la foi, chers frères et sœurs. C'est la béatitude de tous ceux qui ont bâti leur vie sur la promesse de Dieu. Marie a bâti sa vie sur la promesse de Dieu et elle est élevée au ciel. Avec son corps, avec son âme. Exalter signifie littéralement rendre grand, agrandir. Marie agrandit le Seigneur. Non pas le problème n'existe pas, mais Marie voit le Seigneur. Sa vie, c'est le Seigneur. Combien de fois, au contraire, nous nous laissons dominer par les difficultés, prendre par le peur, pas la Vierge Marie, non. Non, parce qu'elle fait de Dieu la première grandeur de sa vie. À l'exemple de Marie, faisons de Dieu notre première grandeur, la grandeur de notre vie. D'abord Dieu, Dieu seul. Le Magnificat jaillit de là, la joie naît de là, non pas de l'absence des problèmes qui arrivent tôt ou tard, mais la joie naît de la présence de Dieu qui nous aide, qui est proche de nous, parce que Dieu est grand. Surtout Dieu regarde les petits, Dieu regarde et aime les petits. Voilà. Quand nous le regardons dans sa grandeur, quand nous vivons notre vie selon la grandeur de Dieu, selon la gloire de Dieu, Dieu nous regarde avec bonté, avec joie, avec amour. Dieu a regardé Marie avec amour, avec bonté, avec joie. Elle est la comblée de grâce. Voilà pourquoi nous célébrons aujourd'hui son Assomption, parce qu'elle est élevée au ciel de son corps et de son âme. Marie est le chemin d'une humanité nouvelle qui vit pleinement de l'amour infini de Dieu. Elle est le modèle du dépouillement de soi-même devant le choix aimant de Dieu. Marie s'est dépouillée devant le choix de Dieu. Elle a accepté que tout se passe pour moi selon ta parole. Voilà pourquoi toutes les générations l'appellent et l'appelleront bienheureuse. C'est la bienheureuse. On est bienheureux ou bienheureuse quand on fait le choix de Dieu. Quand on se dépouille de nos famines, de nos fatigues, de nos faims,
de nos largesses pour pouvoir aimer Dieu seul. Le premier choix de notre vie, c'est Dieu. L'aimer de tout notre cœur. Et Marie, elle est la comblée des grâces. Marie, elle est exaltée. Marie, elle est élevée au ciel parce que elle a pu choisir Dieu comme son premier choix. Dieu est la première grandeur de sa vie. Elle entre au diapason de l'amour infini de Dieu par sa réponse de foi, par son fiat. Marie permet à la foi de se répandre par Jésus qu'elle annonce à Élisabeth. Nous sommes de toutes ces générations qui la déclarent, qui la regardent comme la bienheureuse. Regardons Marie toute notre vie comme la bienheureuse, comme ce grand exemple qui fait le choix de la grandeur de Dieu. Faisons-nous aussi, par l'intercession de Notre-Dame de l'Assomption, Dieu comme grandeur de toute notre vie. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tout le monde.